Bon, FF3, mais c'est quoi? Bon, mais du coup, FF3, c'est le premier FF que j'ai acheté avec mon argent. Je l'avais acheté sur DS à l'époque. Quoique. Ah, je sais pas, peut-être que j'en avais acheté un sur PS1 à l'époque avant. Enfin, avec mon argent, je veux dire. Bref, on s'en fout. Let's go. Bon, j'ai une table de cheat en réserve au cas où. Je n'hésiterai pas à m'en servir. Ah ouais, alors, meilleure musique de combat de toute la saga, selon moi. Pas d'ATB, ou en tout cas il n'est pas visible. C'est vraiment du tour par tour. Bon, j'ai des assez bons souvenirs de celui-là, donc. On verra si c'est toujours le cas. Alors, je vais essayer de baisser un peu. Bon, on verra ce que ça donne en combat, parce que la musique des combats elle est toujours un peu plus forte que le reste. Ouais, pour le moment j'ai pas accès à ça. RAS. Couteau sans majuscule, veste sans majuscule. Ça me trigger, mais on va faire comme si j'avais rien vu. Alors, est-ce qu'il y a une map un peu zoomée? Un peu bizarre, mais ok. Ah putain, non, par contre. Est-ce qu'il y a genre un truc par défaut? Ouais. J'ai pas envie de me traîner non plus. H24. Quand on est prêt, on voit les trucs briller, non? Oui, c'est vrai. Je me souviens. Oui, donc comme dans le 4, il y a pas mal de... Il me semble qu'il y a aussi des passages secrets qui sortent de la map et tout. Par contre, ouais, c'est chiant qu'il faille zoomer pour les voir, parce que je pense que la plupart du temps, je vais être en dézoomé. J'ai l'impression que c'est encore un peu fort la musique.
ça m'a l'air mieux. Même si je pense que c'est encore un peu trop fort par rapport à ma voix, mais bon. Ça m'apprendra à pas parler fort. Faut juste que je pense à parler un peu plus fort pendant les combats. J'ai l'impression que le mode auto il accélère un peu la vitesse de combat, ce qui est cool. We'll be right back.
C'est dommage qu'il n'y ait plus la police d'écriture qu'il y avait sur DS. J'aimais bien. Bon, c'est vraiment full random l'intro. Hein. Jeune homme qui tombe dans un trou, il se fait attaquer, il rencontre un cristal, il lui dit va sauver le monde et il va sauver le monde. Ah. Il y a vraiment des très bonnes musiques dans le 3 aussi. Hein. Elle est jolie là qu'elle a voir le main. Nice. Ah, j'attendais la fin de la première loop de la musique. Parce que là aussi il y a une cutscene par village, enfin par taverne. Ok, donc dans celui-là aussi, on apprend à jouer au piano, j'imagine, petit à petit. Je viens d'en jouer. Je peux pas parler au barman. C'est toujours le même ou... Ah non. Mais il s'améliore vite. Ok, il a déjà régressé. Ça me stresse trop qu'il n'y ait pas de majuscules aux objets là. Peut-être en prendre quelques-uns, des trucs comme ça. Oui, je peux me reposer gratuitement. Très bien.
Casus. Ça m'a déjà balancé je sais pas combien de noms de villages différents. Pas évident. J'étais pas au courant. Super. Il faut avoir été abandonné par son daron pour être choisi par Crystal. Ça va faire beaucoup de candidats. Très bien. Casus, c'est pas l'endroit où il y a eu un sort jeté et tout là. Pas sûr d'avoir envie d'y aller. Ah oui, d'accord. Le mode auto répète les actions, donc c'est pas forcément, ça attaque pas forcément. S'ils veulent les triplés. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'objets cachés et tout là. Ah. Ces potions, quelle potion? Il y a un coffre? Non plus. Ah. Ah oui, d'accord. Des trucs, ça m'arrange. Tain, sont grands les villages. Ah merde. Ah oui d'accord, faites attention aux monstres, ça veut dire. Ok, donc même dans les villages, il peut y avoir des combats. Expérience. Ah, le tuto passage secret.
Ah oui, ça montre aussi les... Ok. J'aurais peut-être pas dû acheter les objets, mais bon, c'est pas grave. Quoique. En vrai, il y a rien de nouveau là. Ah, j'ai le droit de mettre deux armes. Plutôt que un truc de défense. On verra plus tard ça. Pour le moment, c'est peut-être un peu risqué. Et alors, du coup, ça marche comment la magie? Ah oui, il faut équiper les... Oui, c'est ça. Et si je l'enlève, je peux le remettre à quelqu'un d'autre? Ouais, ok. C'est giga chiant de jouer avec le son. Ah ouais, non, mais il peut y avoir des trucs n'importe où en fait, c'est trop chiant. Genre, qui joue comme ça? Je pourrais acheter un truc, je sais pas si ça vaut le coup. Peut-être prendre une armure, en vrai je vais sûrement en trouver dans pas longtemps, mais bon. C'est pas trop cher, donc ça va. Son père, hein. Lui d'orphelin. Ah, agneau poison. Est-ce que je l'achète? Je sais pas si on peut trouver les magies quelque part, donc je sais pas si je serai obligé de l'acheter à un moment ou quoi. Je la prends. Ah ouais, non. Ok, d'accord. Oui, en fait, on peut en avoir plusieurs, donc il y a moyen de la trouver, je pense. J'ai toujours le réflexe de FF4 d'afficher la map. Ça sort du village? Ouais. Ouais, nice. J'avais oublié ce truc. D'ailleurs, ouais, c'est un peu le bordel déjà, mon inventaire. Hop. Ouais, non, comme ça, c'est mieux. Bon,
je suis déjà en train de me demander si je devrais pas retourner dans la grotte pour farmer. Je pense pas qu'il y en ait besoin là. Non. Je vais retourner vite fait pour voir parce que normalement c'est pas la même sortie que là où j'étais, si. C'est vrai que j'ai pas de carte. Genre le trou dans lequel je suis tombé, il est où? Ah, ah non mais j'ai bien fait de revenir. J'ai très bien fait de revenir. Ok, bon du coup dans le trou normalement j'ai déjà tout fouillé. J'aime pas aussi moi Casus. En bas. De toute façon j'ai pas le choix. Enfin, un point d'XP quoi, giga radin.
crois c'est mon alerte de raid. Non, je sais plus. De host peut-être. C'est super dur en vrai de voir les... Ah mais après il y a le point d'exclamation si j'ai pas de... si je suis pas en zoomé. J'ai oublié un truc à part là, non. Putain, faut le voir le chemin. Et là, on peut pas zoomer. Pourtant, je sais qu'il y a un objet là. Ou alors, il est là. Ah oui, il est là. Alors, attends. Si je dézoome au max. Ah ouais, non. Donc on peut appuyer si je mâche le bouton tout le temps, voilà, ça marche. Mais on voit pas le point d'exclamation. Attends, je vais regarder l'équipement de l'arc. Couteau. Ouais. De toute façon, il est. Ouais. Il est freelance pour le moment, donc. Bon, j'ai pas de bouclier allumette pour le moment, donc on va le mettre en bois. Ouais, il a plus de HP, donc why not. C'est ça ce qu'ils appellent les fantômes. Très bien. Bon, lui, il a un nom, donc il est forcément important. Je fais pour attendre ça là-bas.
Ok, il nous file déjà un vaisseau. Bon, je suppose qu'il est pas très... On peut pas aller partout. Ah, par là. Ok, là j'ai le droit d'y aller ou pas encore? Et j'imagine que j'ai pas le niveau, non? Bon, je vais pas m'aventurer pour le moment. Ok, je vais faire une mini pause. Je reviens. Ok, moi il m'a dit d'aller où ici? J'ai trop peur de rater des trucs. Ah. C'est elle, la fille de Taka. Déjà 3. Bon, de toute façon, tant qu'ils sont freelance, ça sert à rien de les mettre en deuxième ligne ou quoi. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça. Tac. Tac. On sait jamais. Ok, et là j'ai le droit de voler? Ah oui, d'accord. Caché dans le désert, ça voulait dire sous le sabre. La batterie était très bizarre. Ouais, donc l'aéronef peut pas passer les montagnes. On a déjà un vaisseau.
Ah oui, donc ça c'est le fameux rocher qui bouche le chemin. Très bien. Grotte secrète. Alors je vais sauvegarder avant de faire une connerie. Tac. Salut la chaume. Je pense que je préfère avoir un game over. Très dramatique la musique de Game Over. Le son est super fort. Putain, mais pourtant je l'ai baissé. Je vais encore le baisser. Merci. Tac. Comme ça. En fait c'est chiant parce que la musique en combat est bien plus forte que le reste. Puis je parle pas fort comme d'hab, donc déjà rien que là cette musique elle est plus forte que le reste. Ouais ça a l'air mieux là. Thème de chat, bah c'est Eternal Wind. C'est ouais, c'est le thème de FF3 en gros. Je crois qu'il y a un autre FF où elle est utilisée, mais je sais plus lequel. Ah oui, Eternal Wind elle apparaît aussi dans Lightning Returns. Il y a un des chanteurs de rue là qui la chante en version acoustique. Et avec des paroles du coup. Thank you.
assez vénère, j'aurais peut-être dû farmer un peu avant de venir ici. Trop peur de rater des trucs. Ok. Oh non. Je vais me faire ouvrir. En plus, j'ai rien de spécial pour lui faire des dégâts. Peut-être il craint la glace. Ah, j'ai sommeil, peut-être que ça peut marcher. Ah oui. Marche pas. Ok, il pique. Je tente ça, on verra bien. J'espère qu'il absorbe pas la foudre. Quoique non, attends, je vais soigner avec... Est-ce qu'on peut... Oui, on peut. Tac. Et hop. Nice. Alors là c'est plutôt cool parce que du coup l'épée fantôme, je suppose qu'elle est bien. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment rentable d'avoir genre deux armes. Que ça fait beaucoup plus de dégâts ou pas. Bah, si, remarque, ça fait taper deux fois par toi. Ouais, alors, par contre, faut que je fasse gaffe de pas mourir. J'espérais que j'utilise l'objet avant qu'elle attaque, mais bon. C'est giga fort l'épée fantôme.
J'espère que c'est pas un piège. Est-ce que je commence déjà à mettre un arc à quelqu'un? Bon, si je le mets à quelqu'un, ce sera un arc. De manière tout à fait logique. Ah putain, je crois que les... Ouais, je pense que les flèches sont limitées. Oula. J'essaie de le mettre en arrière-ligne. Arrière-ligne ? Ça vaut mieux tout seul, non? Attends, je vais essayer point de bronze, épée longue, et ensuite j'essaierai 100 pour voir ce que ça fait. Ah, nice. Je sais pas s'il y a moyen de trouver les mêmes éditions que en papier. Parce que du coup, Terre-Mère, j'avais chopé une intégrale à 20 balles, je crois. Avec tous les romans, plus les nouvelles, plus les commentaires et tout, et c'est assez cool. Je suis en train de finir d'ailleurs le dernier, ça fait un an que je suis dessus, je crois. Mais entre temps, j'ai arrêté, j'ai lu d'autres trucs. Mais je suis en train de finir le dernier roman. Comment, comme ça. On verra ce que ça donne l'arc. La fameuse princesse Sarah. Mais ouais, c'est assez cool. Mais là, je suis en train d'essayer de le finir parce que j'ai acheté plein d'autres livres et du coup... Ah oui, là, il y a des passages. Et du coup, c'est chiant parce que... J'ai envie de lire les autres livres aussi, quoi. Mais je lis pas assez régulièrement. J'aimerais bien acheter une liseuse aussi un jour, mais bon, j'ai déjà trop de livres à lire que j'ai déjà acheté. Donc une fois que j'aurai fini ça, je verrai si je m'en prends une. Glacier. Attends, on va garder la tradition du personnage principal full bourrin. Quoique en vrai ça change rien, je pense ce que je leur équipe. Ça dépendra du job après.
Et si je mets deux points de monde, c'est pertinent. Ok, bon bah on est déjà au complet. Tant mieux. Chaque fois, je crois que c'est une alerte, mais en fait, non. Bon, normalement, il devrait plus y avoir le jingle vu qu'on est déjà au complet. Quoique, peut-être qu'il y est aussi quand il y a des persos secondaires qui nous rejoignent. Je me souviens plus si c'est l'alerte sub ou l'alerte host ou raid. J'ai oublié laquelle c'est. C'était pas un bait. Test. Ok, j'attendais qu'elle dise test. Bon bah du coup non, c'était pas l'alerte de sub, donc ça va être celle de raid ou de host je pense. Salut Oslo. Qu'est-ce que je lui mets? Je me suis fait déboîter tout à l'heure, je pense pas que ça soit différent. Hein. Ah,
Je vais peut-être mettre glacier sur quelqu'un d'autre. Non, je vais mettre sommeil sur quelqu'un d'autre. On essaye comme ça, on verra bien. J'ai oublié d'enlever le mode auto. Enfin, remarque. Ouais, non, je vais rien changer. Bon. Ah, si je mets des flèches sacrées, ça devrait être pas mal, je pense, niveau dégâts. Ok, donc les deux points, c'est pas mal. Ça fait plus de points. Je vais peut-être les mettre sur Ingus. Je sais pas, je verrai. Pour le moment, ils ont tous le même job, donc ça. C'est pas très important, je pense. J'ai rien modé sur le jeu, donc comme d'hab, ça doit être la version. Enfin, c'est la ver... à la base, c'est la version DS qui a dû être portée sur mobile puis sur Steam. Donc. Genre, graphiquement, c'est la version DS. Niveau interface, ça doit être plutôt version mobile. Mais avec les boutons manettes. Sur le PC. Qu'est-ce que je voulais faire, moi ? Je sais plus. Statue. Ouais, non, c'est pas important pour le moment de mettre les armes sur l'un ou sur l'autre. C'est ça qu'il voulait dire par la clé dans le squelette.
Ok, donc on aura le jingle à chaque fois. En plus, il est plus fort que le reste, comme les alertes. Ah, on peut parler aux gens qui sont avec nous. Incroyable. Est-ce que c'est toujours le même? Ouais. Il faudrait que je pense à les lancer de temps en temps pour avoir un peu de l'or. Bon, ça, en plus on la voit nous suivre, donc je devrais y penser en général. Est-ce que à chaque étage ça change? Ah oui. Ok. Pourquoi elle est vénère l'autre? Ah, parce qu'on s'adresse à une à une personne importante n'importe comment. Bon, je suis très heureux d'annoncer que c'est le retour de la saison du bolos de voisin qui est perse. Donc à tout moment il va y avoir un bruit très fort et je vais couper mon micro en panique. Ça fait plaisir. Bon, en vrai il est obscurité mais il touche à chaque fois, donc je vais pas me faire chier à soigner.
Chaque fois, j'ai l'impression que c'est des ouvertures. Ouais. J'avais oublié que les alliés pouvaient intervenir. Certaines emotes qui rentrent bien dans le panier. Il y en a une de Lime Malicious qui est cool. Qui a le même effet d'ailleurs. Bon, après, pour le coup, l'emote de base a déjà cette énergie là, on va dire. Et du coup, dans le panier, elle est marrante. J'ai réappuyé parce que j'avais peur de rater un dialogue et je me retape encore une fois le même. Est-ce qu'il y a besoin de soigner? Ouais, un petit peu quand même. Au cas où. Bon, c'est parti. Super. Super. Gueule attaque deux fois en un tour. Ils font tout me faire tilt. Ok, en plus là comme j'ai pas trop de maîtrise sur l'ordre des attaques, je peux pas tenter de ressusciter et de soigner la personne dans le même tour. Ok, il va falloir que j'ai de la chance. Ah bah voilà, super. Pas d'XP pour la FIA. Bon ça va, 66 c'est pas énorme.
de retour au cristal. GG. C'est un mini générique de début en fait. Sous-entendu, genre tout ce qu'on a fait jusque-là, c'était le prologue. Et là, le jeu commence vraiment. Mais c'est un peu. Enfin, ça sort un peu de nulle part donc, marrant. C'est très random le début. Bon, t'as 4 personnes qui se connaissent plus ou moins pour certaines, voire pas du tout. Ils se font choisir totalement arbitrairement pour sauver le monde. Des théories incroyables, c'est-à-dire. C'est vrai que du coup, à chaque fois que je vais vouloir changer de job, ça va un peu repartir de zéro. C'est un peu chiant ça d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut plus ou moins que je me fixe assez rapidement quoi. Il y a une faille temporelle. J'aimerais bien que ça soit déjà la fin. Non pas que j'aime pas FF3, pour le coup je l'aime bien.
Mais plus on avance, mieux c'est. Alors j'ai quoi? Guerrier, moine, mage blanc, mage noir, mage rouge, voleur. Bon. Clairement, il va me falloir un mage blanc. Phase d'ajustement de job de combat sans équipement de départ, ça veut dire quoi? 4? Wow. Ah, c'est-à-dire que pendant la phase d'ajustement, j'aurai pas d'équipement, c'est ça? Bon, on va dire lui en mage blanc. Ensuite, je vais peut-être pas tous les changer en même temps, c'est ça? Je sais pas. Lui, je le verrais bien en voleur, comme d'hab. 4 combats, ça. Et pour le moment, les deux autres, je les laisse en freelance. Ok. Tac. Ok, alors du coup c'est déjà le cas. Est-ce que je peux lui mettre deux fois son? Ça n'a pas de sens. Non, je pense pas. Non, bah du coup c'est pas mal là. Hop. Ouais. Bon, je vais peut-être faire mes 4 combats ici là pendant que je suis là. Ça risque rien. Je vais sauvegarder d'ailleurs. Je sais plus dans quel jeu il y a des fins, des fausses fins comme ça. S'il y en a un que j'ai en tête, mais du coup je vais pas le dire. Parce que c'est un peu un easter egg. Il y a des films aussi, putain, il y a un film avec une fausse fin. Je crois même qu'il revient plusieurs fois dans le film. Je sais plus lequel. Alors, voler, est-ce que ça marche bien? Je ne sais pas. Du coup, je sais pas si je mets Réfia en moine. Comme ça, elle met des grosses mandales. Et l'autre, je vais peut-être le mettre en guerrier. Ouais, c'est chiant. En vrai, c'est un peu paradoxal parce que je peux être très relou avec ça, mais ça me dérange de moins en moins le spoil. Déjà parce que ma mémoire est de pire en pire, donc je les oublie entre temps. Et aussi parce que... Enfin, ça dépend des spoils, en vrai. Si l'intégralité du... De l'intérêt du film ou du jeu machin repose sur un twist et qu'on spoil ce twist, là c'est naze. Si c'est un spoil d'un easter egg ou d'un truc rigolo ou d'un truc comme ça, c'est moins gênant quand même. Parce que c'est pas la découverte du truc qui est intéressante. C'est son existence quoi. Tous les youtubeurs ayant jamais existé qui ont déjà fait une fausse fin, mais quoi? J'ai rien compris. Ouais, il est cool, There is no game. J'avais fait le... Je sais plus si c'était un truc de Jam, ou si c'était un prototype, ou si c'était son premier jeu, mais j'avais fait le premier jeu à l'époque. Après, il avait fait un Kickstarter qui avait pas très bien marché. Donc c'est cool que le jeu ait pu sortir quand même. Mais je l'ai toujours pas fait. J'ai vu des petits bouts ici et là. Mais... Et j'ai oublié de compter les combats. Ok. Je sais pas à quoi ça correspond la phase d'ajustement. Thank you.
Peut-être qu'on a les moins bonnes stats. Ok. Du coup, elle, je vais la mettre en moine. Et lui, je vais le mettre en guerrier, je pense. Peut-être mage rouge. J'ai déjà moine pour bourriner. Voleur qui fait un peu de dégâts. Ouais, mais si je veux pouvoir utiliser l'épée, il vaut mieux que je sois un guerrier, je pense. Je sais pas ce que peut équiper le mage rouge. Ouais, vas-y, guerrier. Alors, ouais, même les portraits ils changeaient, pas marqué. Donc, je lui remets ses points de bombe. Tac, tac, tac. Ah merde, il peut pas mettre l'épée fantôme? Ah non, non, je me suis fait chier à l'avoir et elle est très forte, donc... Comment on peut savoir qui peut équiper quoi? Pourtant, c'est une épée, normalement... Faut être forcément en freelance pour pouvoir l'équiper, c'est nul. Ah oui, 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 je vois, ok. J'arrive pas à retrouver dans quel film il y a ce gag de la fausse fin. Il n'y a pas ça dans Cusco, non. Si, il y a peut-être dans Cusco, oh, je sais pas. Je suis emmerdé pour mon histoire d'épée là. Du coup, phase d'ajustement, ça veut dire que je peux pas rechanger là, ça. Vas-y, mettons en mage rouge. Équipe, hop, hop. Ah, si. Bon, bah, je vais le foutre en... Quoi? Il a plus d'attaque sans armes qu'avec des armes? Qu'est-ce que... ouais. C'est bizarre. Je comprends rien. Et alors du coup, ouais, magie... Ah, elle, je vais peut-être lui enlever ça, parce que du coup, elle a plus de magie. Et du coup, lui, je lui mets ça. Ah, lui non plus, il a pas de magie. Donc j'en ai que deux qui ont de la magie. Ok. On verra ce que ça donne. Ah, attends, je vais tester cette histoire d'attaque là. Yes. Bon, il perce plus, mais il tape maintenant. Voilà. Alors. Défend retraite. Pourquoi des fois c'est retraite, des fois c'est garde, je comprends. Riposte, ok. Alors, à combien il attaque? En 25, en faisant 3 coups. Ah oui, par contre, si j'ai deux armes, forcément, je fais plus de dégâts quand même. Ah, mais mon arc, du coup, il est sur personne, là. C'est vraiment...
Bon, c'est pas grave. Merde, j'aurais dû rester sur les trucs de base. Bon, je sens que voler, ça va vite me saouler. Ah oui, non, il fait quand même plus de dégâts avec l'épée. Était beaucoup plus naze que le gobelin. Bon, pas plus m'embêter avec ça. Ouais, lui du coup il va pas servir à grand chose pendant pas mal de temps. Est-ce que je devrais pas le changer en autre chose pendant... Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est bien utile d'avoir un mage blanc en fait. Je devrais peut-être mettre arc en mage rouge. Et lui en guerrier. Ah ouais mais non mais parce que... Les deux en mage rouge au pire. Surtout qu'ils ont autant de MP pour le moment. Vas-y, je vais mettre les deux en mage rouge. Du coup, je vais lui mettre l'arc. Je pensais acheter des flèches de temps en temps. Ouais, mais c'est ça la pièce bizarre que j'avais vue. Ah, ça j'avais oublié cette musique. Quechua. On dirait des trucs de des uniformes ninja leurs armures.
Ok, bon, mais faut retourner voir Sid, je pense. Je suis un peu dubitatif sur les designs des armures. Je suis venu au cas où il y avait un objet. Bon bah plus, sûr t'as pas un objet. Bon bah on retourne dans l'autre ville. Et j'imagine que Sid va nous aiguiller. Ça va, on se connaît depuis 5 minutes. Ok. Ça me dérange d'avoir deux mages rouges, c'est purement... C'est purement motivé par rien du tout, mais... Attends, mais pourquoi lui il est que 4 niveau freelance? Lui il est 13. Ah ouais, donc lui il a monté super vite le freelance. Ah mais aussi je l'ai depuis plus longtemps que les autres. En vrai, alors je vais peut-être le remettre en freelance pour le moment. En attendant d'avoir un truc qui corresponde un peu mieux. Tac. Tac. Garde la magie. Ouais. C'est lui, Sid? Non, c'est Taka.
oui, ça, ils avaient rajouté. Enfin, dans la version DS, il y avait déjà ça, il me semble. Je sais pas si dans la version originale il y avait ça. Si oui, ça veut dire que la mog post de FF9, elle vient de là. Les gars, ça fait 2 jours qu'on est parti. Oui, donc chaque perso qui rejoint, on peut lui parler. C'est bon de te voir et plus seulement à travers. J'en peux déjà plus de cette musique. We'll be right back.
Ah putain, il m'a fait peur ce connard. Je vais les sauvegarder et je vais... Je vais aller sauvegarder et explorer les mines de Mithril. Je sais pas si j'ai le niveau, on est que 3 en vrai, c'est peut-être pas une bonne idée. Bon, on verra bien, au pire j'ai sauvegardé. Je sais pas si je vais le laisser en voleur, lunettes, parce que ça a l'air assez naze quand même. Il fait vraiment zéro dégâts. Est-ce que c'est parce que j'ai mis deux armes? Je sais pas si c'est... Ça se trouve, ça a une influence. Ou alors, faut vraiment que je passe mon temps à voler et que ça sert à rien de faire autre chose, quoi. J'ai l'impression qu'il fait autant de dégâts avec une arme qu'avec deux. Ah mais ok. En fait j'aurais dû venir la chercher avant d'aller dans la grotte.
En vrai, j'irais bien acheter un. Ah putain, le soin, ça a pas enlevé. L'altération d'état. C'est relou ça. Magie, hop. Je vais peut-être lui mettre brasier lui. Freelance, c'est aussi bien que mage rouge, hein, parce qu'il y a des différences de stats. 8, 8, 8. Ah, mais là, elles sont réduites parce que je suis encore en. Ok. Niveau 7, niveau 8. Ah, ouais, les stats sont peut-être un peu moins ouf, je sais pas trop. Bon, on verra bien. Let's go. What? Ça a fracassé le vaisseau? Quelle bande de cons. Et merde. Ah, super. Ah, la map s'agrandit du coup. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser mon canoë magique? Pour les eaux peu profondes, ok. Bon, a priori, ça a pas l'air de le fâcher plus que ça que son vaisseau soit explosé contre un rocher. Ah, c'est marrant, du coup, le site de FF9, c'est un peu un mélange de lui et du roi. Mais quoi, mais pour quelle raison? Ok.
J'ai vraiment pas envie de claquer 1200 balles dans un truc. Hein. En plus, enfin, ouais, c'est pas forcément lui qui fait le plus de dégâts, donc... Merde, je voulais aller voir... Ouais, mais je crois qu'il y avait pas de point de mitrille. Par contre, flèche, est-ce que j'en achèterais pas un peu? Trentaine au cas où. C'est littéralement la même danse et la même musique que la première fois, non? Je sais pas pourquoi je rentre dans les boutiques alors que je suis pas du tout disposé à dépenser mon argent. C'est un peu relou ce système en vrai. Je pense que je vais rater beaucoup d'objets. Ah, bah ça tombe bien, j'en ai un. Et du coup, si on l'utilise avant, il se passe quoi? Lèche vitrine. C'est vrai que c'est pas ouf, hein. Après... En vrai, les vitrines sont nettoyées régulièrement. Est-ce que c'est pas plus propre que... J'allais dire plus propre qu'une poignée de porte, mais bon, on lèche pas les poignées de porte non plus, donc... Disons que c'est pas la surface la plus crade qu'on peut trouver dans un magasin, je pense. Il
Après, c'est vrai que je vois pas d'où ça vient en fait. Lèche vitrine. Genre dans l'idée de goûter, peut-être. Mais on goûte pas, on regarde juste. Ouais, en fait, ça dépend si c'est une boutique où il y a beaucoup de gens qui font du lèche-vitrine régulièrement ou pas. Parce que les vitrines, elles sont lavées quand même. Quoique, je sais pas si ça se nettoie régulièrement. Une fois par mois, peut-être. Bon, ça va, ça me dérange pas plus que ça, moi. Tant qu'on m'oblige pas à aller chez une vitrine. Et le seul truc que j'ai eu, c'est celui que j'avais acheté. Très content. Ah non, je l'avais pas acheté. Bon, j'ai rien dit. Tout va bien. Peut-être acheter une dague de mithril pour lui. Ah ouais. Ouais, quand il y a des petites ombres sur le sol, ça veut dire qu'il y a des passages. Ça revient vite. La thune. Nice. Bon, je suis en questionnement sur qu'est-ce que je fais. Genre, est-ce que je continue de jouer ou est-ce que j'arrête et je vais faire autre chose? Autre chose étant aller faire des courses qui ne sont pas du tout urgentes. Le bruitage des menus là, il est relou. Ah, mais j'ai vraiment pas le choix en fait là. Pour le moment. Bon, vas-y, je fais ça. Mais il n'y avait pas déjà un pic du dragon dans FF4? Dans FF5 peut-être, je sais pas. D'accord, donc en une attaque, il me fait 62 points de dégâts, donc les deux tiers de ma barre de vie, et en plus il pétrifie. Grosse ambiance. Peut-être falloir farmer un peu.
Ok, je crois que je vais me barrer d'ici et je vais farmer un peu parce que... Il y a quand même un petit souci de... De niveau. Alors, ça va être l'occasion de tester... Si on dort à l'hôtel avec un perso mort, est-ce que ça le raise ou pas? Non. Super. Donc je suis... Ouais, donc faut que je fasse gaffe au queue de phoenix. Ah putain, bon je vais reclaquer. Ouais, du coup, vu que je dois farmer, j'ai encore plus la flemme de continuer. Est-ce que les monstres dans la région, ils sont relous ou pas? Ça va, on les a déjà eus. Hein. Par contre, 7 points d'expérience à chaque fois, ça va être compliqué. Peut-être faudrait que je retourne dans la caverne de... Bon, celle-là où je peux pas, mais la caverne de Mithril. Ça a vraiment l'air pas fort du tout au voleur. Genre le vol ça marche jamais. En plus il fait zéro dégâts. J'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup plus rapide que les autres. Pas terrible. Hein. Bon après il a une arme pourrie pour le moment. Putain, j'avais une commande dans le chat pour... C'était quoi? C'était pas ça. J'arrive à me rappeler des noms de commandes que je mets. Non, en vrai, attends, je peux aller voir. Quoique, je sais plus si c'était sur Mikuya ou sur l'autre. Alors, commande de chat. Je crois que c'était sur l'autre, non? Commande personnalisée. Oh, mais j'en ai tellement des commandes, what the fuck?
Ça, je peux l'enlever. Tac. Ça, je laisse. Ça, on s'en fout. Ah, mais c'est 8 ball en fait. Ok. Donc, il faut que ça soit une question fermée. Non, une question, je sais plus. Non, une question fermée. Encore 10 minutes. Peut-être moins de passer un niveau pour certains. Ah, tu vois peut-être pas les émotes. Je l'ai vu sur le live. Pour une fois que ce truc sert à quelque chose. Mais d'ailleurs, en fait, je la vois pas non plus, donc c'est bizarre. Ah, mais parce que sur la page. Ou alors c'est Franker Fizzy qui bug. Sur la page du dashboard, y a pas Franker Fizzy, j'ai l'impression. Ah ouais, non, si, c'est bon, je le vois. Bon, ce qui est cool avec le mode auto, c'est qu'on peut farmer rapidement. Hein. Tester le cheat. Je le testerai avant d'arrêter juste pour voir si ça marche bien ou pas. Au cas où. Après, j'ai pas le souvenir que le jeu était très dur. Donc, si c'est vraiment le même que la version DS, normalement ça devrait aller. Je snob pas, je finis ce que j'étais en train de faire et à 17h j'arrête. Par contre, elle bug sur l'utilisation des émotes là, non? Ah oui, je crois que la dernière émote du message, elle est aléatoire. Et l'emoji avant, il doit faire partie du message. Du coup, ça n'a aucun sens.
Je devrais peut-être mettre un perso en mage noir. Je sais pas. Je vais mettre arc en mage noir. C'est une bonne idée, mais bon. Ah, en plus, il peut avoir les arcs. C'est donc une bonne idée. Parce que du coup, il peut quand même faire des dégâts et en plus, la magie. Alors, par contre, ça, ça marche plus. Quoique, en vrai. Attends, je vais laisser ça juste pour tester. Mais si ça se trouve, je peux... Ah merde, c'est un niveau 2. Si ça se trouve, je peux... Je peux utiliser la magie blanche avec lui. Hein. Ok, je peux pas. Juste à me soigner. Bon, puis je testerai les cheats une autre fois. Pour le moment, je pense pas que j'en aurai besoin. Je vais essayer de rester un minimum réglo quand même. Je les utiliserai que si vraiment ça devient relou. Ouais. Là, tant que ça se passe bien, il n'y a pas trop de raison de les utiliser. Hop. Bon, tout le monde niveau 9. On est pas trop mal. Bon, ça va pas m'empêcher de me faire éclater sur la montagne là, mais bon. Hop.